sortie de ma fille. La première fois, nous sommes venus, nous sommes au groupe de 4 à l'ambassade. On a fini, on avait rendez-vous avec papa. Je suis rentrée, papa m'a demandé ce que je veux. Je dis, papa, la santé et la réussite de mes enfants. Et j'ai dit à papa, j'ai ma deuxième fille. Elle a eu le bac. Elle veut absolument rentrer, passer le concours d'infirmière. Elle passe, papa, ça fait au moins 4 fois. À chaque fois, un point et demi, 2 points. Mais je n'en peux plus. C'était le jeudi. Papa m'a dit, maman, fais tout pour venir avec elle le dimanche. Le dimanche où on faisait le baptême ici, il y avait la fête. On est venu, je suis venu avec elle. Quand je suis arrivée à la maison, je lui ai dit, oh maman, j'ai fini de passer, il n'y a rien ici. Je sais que je n'ai rien fait. Donc, j'ai dit, allons. On n'a pas encore donné le résultat. Donc, allons. Quand nous sommes venus, papa a prié. Dans les prières de papa, j'ai saisi la parole. Papa a dit, quel que soit, tout ce qui doit se passer, quel que soit, il faut que son nom soit sur la liste. Déjà, j'avais saisi ça. Et j'ai dit, il faut que je témoigne. Je vais rendre gloire à Dieu. Je vais témoigner pour ma fille. Je vais témoigner à chaque fois que je viens prier. C'est ça. À chaque fois, je demande. Je dis, les gens viennent me témoigner. Pourquoi pas moi? Ça a commencé sur ma fille. Pourquoi ça soit ça? Et le concours, elle avait passé 2. Papa a dit, quelle, vous voulez quelle? Elle était là. Ce qu'elle voulait, elle n'a pas pu dire. Elle a dit, bon, papa a dit, bon, les deux, on va choisir. En octobre, elle était là. Sa commune l'appelle. Il dit, oh, oh, j'ai vu ton nom. Le résultat est sorti, ton nom est dessus. Elle dit, non. Ma fille m'appelle, elle, en pleurant. C'est pas possible. Dieu a fait pour moi. Il y a mon nom. J'ai dit, laisse. J'ai dit, j'attends le papier. Tu m'as dit, je n'ai rien vu. J'attends le papier. Quand le papier est arrivé, j'ai dit, allons, on va voir papa. Nous sommes venus. On a donné le papier. Elle passait l'oral le 17 novembre à 8 heures, sa pétrière. Papa dit, on va prier, tu vas partir. Papa a prié, on est sorti. Nous sommes partis à la maison. Il dit, restez zen en prière. Il dit, ok. Et toujours quand on vient, je dis, Seigneur, je vais témoigner pour ma fille. Et elle est partie. Tout ce qu'elle a demandé, en tout cas, elle est tombée sur un sujet où elle a maîtrisé tout et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 femmes. Les juristes, là, c'est 3. Donc, les vieilles, ils ont vu une petite négresse. Ils vont lui bombarder de questions où, vraiment, quand on te demande si tu ne tiens pas, tu dis de n'importe quoi. Ils ont bombardé la fille, tout. Elle est sortie en pleurant. Quand elle est arrivée à la maison, elle était tellement perturbée. Elle dit, maman, je m'en vais à l'école. J'ai dit, ah. Elle dit, non, elle est partie. Le soir, c'était, j'ai envoyé tes soeurs à papa. Papa a appelé. Il dit, ma fille, c'est quoi? Il dit, oh, tu as fait, laisse, ne parle plus. Le résultat, c'est quand? Il dit, le 30. Donc, on a oublié depuis le 17 jusqu'à 30, on avait oublié. Maintenant, on faisait autre chose. Et le dimanche soir, elle a dormi jusqu'à, elle est venue. Elle dit, maman, mon cœur, là, je ne sais pas, parce que demain, c'est le résultat. Il dit, ah, il faut oublier ça. Elle dit, oh maman, comme c'est pas toi là, c'est à cause de ça. Je n'ai rien dit. Lundi 30, à 14h, elle prend l'ordi, parce que c'est le résultat. Elle regarde le nom. Elle a sauté même son nom. Elle tremblait tellement. Elle dit, hey, je ne vois pas mon nom.
Elle dit, non, 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 mon nom là, il y a encore. Elle regarde son nom. Elle a admise. Sur la liste principale. La liste principale, pas liste. Non, 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 non. C'est déjà acquis. Ce que papa a dit. Acquis. Donc, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Je suis tellement en joie que, bon, peut-être les gens vont dire, mais c'est là, pourquoi elle danse comme ça? C'est tout ce que je peux faire pour lui. Amen. Oui. C'est tout ce que je peux faire parce que je ne sais pas ce que je peux donner, offrir même. Je ne sais pas. Si c'est pour danser, je suis là. Amen. Donc, je voulais remercier les pères et leur dire merci. Et vraiment, Dieu, quand tu viens ici, ce que tu as dans ton cœur, que tu demandes, il fait. Acclame très fort le Seigneur. Ce qui m'a marqué dans son témoignage, vous savez, il y a deux choses. Ça faisait la troisième fois qu'elle avait échoué. Dis amen bien. Et elle était au bord du gouffre. Elle est venue rencontrer l'homme de Dieu. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'elle a dit, pendant que le prophète est en train de prier, il dit, quel que soit ce qui va se passer. Vous savez, la chose qui rassure, ce n'est pas d'écouter ni d'entendre, mais c'est de saisir ce que tu entends. Elle a dit, j'ai saisi la parole, quel que soit ce qui va se passer, que son nom soit sur la liste des admis. Dis amen bien. La Bible dit ce à quoi tu penses, c'est ce qui arrive. Et elle a pensé à un résultat positif et le résultat s'est produit dans sa vie et cela s'est réalisé dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Si tu penses à un miracle ce soir, cela va se produire dans ta vie. Dis un amen de bien. Je crois à un miracle positif qui arrivera à toi. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Elle a dit, quand tu arrives ici, quel que soit le sujet que tu as, présente cela à qui? À Dieu. Et le prophète Yvan lui a dit, c'est fait. Dis à quelqu'un, c'est fait. Est-ce que tu crois que c'est fait? Est-ce que tu crois que ça sera aussi fait pour toi? Acclame Jésus de Nazareth. Tu vas tendre la main droite sur elle, en sa direction, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu de sécuriser la vie de sa fille. Une chose, c'est de réussir à son examen, mais la deuxième chose, c'est d'avoir le succès et de travailler. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu as commencé, Hachette, couvre-la de par ton sang. Éternel, elle a l'entente encore de beaucoup de choses. Je crois que c'est toi qui commences et tu achèves. Bénis leur vie, au nom de Jésus, j'ai prié. Dis amen bien. Acclame très fort le Seigneur. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis Madame Caillé. En fait, c'était ma première fois, c'était un 28 août. Et ma soeur, elle a entendu Caillé Modeste. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est sa femme est là. Mais lui-même, il n'est pas là, sa femme est là. Donc, je suis arrivée, quand je suis arrivée, le prophète Yvon, il a prophétisé. Il a dit, je te vois pleurer, mais tu ne vas pas pleurer. Que cet enfant que tu portes, il va naître avec un cordon au cou. Ça va aller. Arrête de pleurer, ça va aller. Donc après, j'ai eu à le croiser, ça a été. Donc nous sommes rentrés, et j'étais là, et dit, Seigneur, toujours quand je discute avec mon mari, il dit, tu fais que des filles. Tu m'as donné garçon, là encore, tu vas me prendre. J'espère que c'est la prophétie qui s'est passée à l'église tout à l'heure, c'est vraiment ça. Mais tu vas pas faire pleurer ta fille. Non, 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 je crois pas. Et j'ai accouché à 11h47. Amen. Ici, à 11h47. Mercredi 9 à 11h47. Mais l'enfant est venu effectivement avec le cordon au cou. Et il faisait caca même. Donc là, il est là. Il s'appelle Gabriel Aaron. Je voulais dire merci au prophète Yvon. Que Dieu nous bénisse. Tu vas tendre la main droite vers elle. Tu vas demander à Dieu de sécuriser la vie de cet enfant, de se souvenir de sa mère et que cet enfant grandisse en sagesse et en intelligence, que la faveur, la grâce de Dieu soit sur sa vie. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Merci pour le miracle. Seigneur, tu n'as pas permis, Éternel, que l'enfant soit emporté par la mort, mais tu l'as gardé. Il a vu le jour. Tu n'as pas permis que sa mère soit en pleurs, mais elle a été en joie, avec des larmes de joie. Merci pour le miracle au nom de Jésus que nous disons amen. Acclame très fort le Seigneur. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus.
Je voulais partager mon témoignage avec vous. Et tout remonte au mois de septembre, lorsque le prophète Major avait posé des actes prophétiques avec la corne. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, à partir de ce moment, il avait dit que le mois de septembre n'allait pas finir sans que ce que vous attendez se réalise. Et donc, moi, j'avais oublié complètement ce qui s'était passé. Et le 28, je partais chez ma mère et on m'appelle... En fait, à la base, je cherchais du travail, en fait. Et donc, le 28, je partais chez ma mère. On m'a appelé pour me proposer un poste sans même faire l'entretien. Sachant que j'avais déjà fait beaucoup d'entretiens et ça n'avait pas marché. Et le 28, j'ai eu juste au téléphone ceux qui voulaient m'embaucher. Et le lendemain, j'ai commencé dans une grosse boîte à la Défense. Et donc, du coup, je suis resté que 3 semaines là-bas. Et dans mon esprit, ça résonnait que c'était pas tout, en fait. Et donc, à quelques jours de mon anniversaire, on m'appelle pour un autre entretien. Et j'étais pas... Je me suis dit, j'ai déjà ce que je veux, mais voilà, pourquoi ne pas essayer de l'autre côté? Et je suis allé, on m'a dit que c'était pour un poste de comptable à la RATP. Sachant que je n'avais même pas postulé à la RATP, j'ai rien compris. Donc du coup... Du coup, j'ai commencé à la RATP, je suis en CDI là-bas, et voilà. Tiens-toi debout, nous allons tendre la main vers lui, et nous allons prier. Et dans ce nouveau boulot qu'il a eu, dans ce travail, nous allons demander à Dieu qu'il marque l'exception. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Éternel, tu t'es souvenu de lui. Dans sa blessure, mon Dieu. Seigneur, tu lui as ouvert une porte. Je bénis ton nom. Je lève ton saint nom. Seigneur, rends-le fort et puissant. Bénis-le et arrose-le. Et ce qu'il veut obtenir, que tu lui accordes encore ces choses. Sécurise sa vie au nom de Jésus. Dis Amen plus fort que ça. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Je vais rendre ton témoignage. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Que Dieu nous bénisse. C'est notre sœur, ça ne fait pas trop longtemps qu'elle visite l'église. Et ça fait un an qu'elle était en quête de travail. Dis Amen bien. Ça faisait un an qu'elle n'avait pas le boulot. Dis Amen bien. Et quand il a fini de prophétiser qu'elle allait avoir du boulot, le même soir, c'est ça, lorsqu'elle quittait ici, le lundi plutôt, le jour suivant, le lundi, on l'appelle pour lui proposer du travail. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Non, est-ce que tu crois en cela? Acclame très fort. Ça fait un an qu'elle ne travaillait pas. Et le lundi, on l'appelle pour le travail. La main vers elle, nous allons prier. Seigneur, merci. Sécurise sa vie. Restaure-la, bénis-la. Je prie que ce travail qu'elle vient d'avoir, Seigneur, éternel, que tu la protèges. Mon Dieu, sécurise sa vie et bénis-la dans son travail. Agis au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais témoigner pour ma fille, pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Et Christelle, lève-toi, s'il te plaît. Christelle est en sixième. Et en début d'année, on a décidé de la mettre dans une classe de surdoués par rapport à ses capacités. Donc, ils lui ont fait faire un programme. Même dans la classe de surdoués, elle est la meilleure. Ils ont décidé de lui faire faire un programme de cinquième dans cette classe. Malgré cela, elle a 20 de moyenne partout. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, elle a bouleversé le programme du collège. Les professeurs s'assiedent tout le temps. Ils sont tout le temps en réunion pour son cas. Et la semaine dernière, elle est revenue, elle m'a dit, « Maman, on a décidé de me faire faire un programme de quatrième. » Donc, la semaine prochaine, Christelle va être enseignée à part. Dans la classe, elle aura un banc à part. Elle sera enseignée à part pour un programme de quatrième. Donc, parce qu'ils ont dit que même quand on est surdoué, il y a des matières où on ne travaille pas bien. Mais elle est là 20 partout.
des maths, la technologie, partout, partout. Du coup, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont tout le temps en réunion. Et la semaine prochaine, ils ont dit à Crystal, on voudrait rencontrer ta maman. Donc la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec eux en fin de semaine prochaine pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour elle. Alléluia! Nous allons tendre rapidement nos mains vers elle. Nous allons demander à Dieu que ce Dieu qui l'a conduit dans cette église continue de l'épater. Prions ensemble le Seigneur. Adonai, tu arroses sa vie, tu la combles de toute grâce. Seigneur, tu l'as béni. Restaure-la. Que ce que tu as commencé, que tu achèves, merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Dis Amen bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que nous pouvons nous lever pour donner une offrande d'acclamation à ce Dieu qui ne cesse jamais de nous oublier, de se souvenir de nous? Non, tu peux faire mieux que ça. Voir l'orateur du jour. Je sais que Dieu a des mots justes, a des paroles justes pour toi et moi. Sûrement que ce n'était pas dans ton programme, mais l'Éternel te visitera ce soir. Le prophète Fénan, l'homme à la bouche dorée, on acclame très fort le Seigneur pendant qu'il arrive. Acclame très fort le Seigneur pendant qu'il arrive. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le ministre des cieux? C'est un ambassadeur de l'Évangile. Acclame très fort le Seigneur pour lui. Jesus.
Est-ce qu'on peut le relever? Acclame fortement le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons baisser la tête, prier pour la parole. Nous allons dire à Dieu de bénir cette parole et de nous inspirer. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Tu viens, tu nous parles. Tu nous inspires. Tu nous donnes ta pensée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 17 à partir du verset 31. 1 Samuel 17, from 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre. Et il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. David dit à Saül. David dit à Saül. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau. Oui. Je courais après lui. Je courais après lui. Je le frappais. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi. S'il m'attaquait. Je le saisissais par la gorge. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais. Je le frappais. Et je le tuais. Et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur. C'est ainsi que ton serviteur. A terrassé le lion et l'ours. A terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin. Il le sera du Philistin. De cet incirconcis. Comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Oui. David dit encore. Oui. L'Éternel. Qui m'a délivré de la griffe du lion, oui, et de la patte de l'ours, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Oui. Et Saül dit à David. Saül dit à David. Va. Et que l'Éternel soit avec toi. Et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque. Il plaça sur la tête de Saül, de David. Un casque. Un casque. Et le revêtit d'une cuirasse. Et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épaule. David saignit l'épée de Saül. Oui. Par-dessus ses habits. Et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Dis amen. C'est amen. Le thème que je veux prêcher, my team, je l'ai intitulé Asset. Je ne suis pas habitué. I'm not used to. Dis à ton frère, je ne suis pas habitué. I'm not used to. Non, dis, je ne suis pas habitué. Say, I'm not used to. Voici une histoire. This is the story. Elle nous parle talking about de David. Of David. Pour ceux qui connaissent David, for those who know David, David était le fils d'Isaïe. He was the son of Isaïe. Le huitième fils the eighth son d'Isaïe. Of Jesse. Écoutez-moi bien. Listen to me. La vie de David, the life of David était une vie qui se passait, it was a life qui se menait was derrière les troupeaux. Behind the flock. La vie de David, the life of David était une vie it was a life loin de la famille. Far from the family. Il gardait les brebis. He was keeping the flock. Il gardait les troupeaux. He was keeping the flock. La Bible déclare the Bible declare que son frère, his brother, Eliab Shama et Abinadab, and Abinadab avaient abrité dans la ville. They had in the city. Il y avait un homme there was a man qui s'appelait Goliath. Goliath prêchait was preaching chaque jour every day en Israël. In Israel. Il quitte dans son pays. He leave his country. Il arrive en Israël. He went to Israel. Et il commence à prêcher. And he began to preach. Quel était le message de Goliath? What was the message of Goliath? Goliath prêchait la crainte.
prêchait fier. Goliath prêchait la peur. Prêchait fier. Goliath prêchait la terreur. Prêchait terreur. Les gens craignaient Goliath. People feared Goliath. Toute la vie de Goliath, all the life of Goliath était une vie de prédication. It was a life of preaching. Il prêchait la crainte. Prêchait fier. Personne n'osait lever le doigt. Nobody dare raise. Tout le monde craignait Goliath. Everybody feared Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Everybody feared Goliath. La Bible déclare. The Bible declare. Pendant 40 ans. 40 days, pendant 40 jours, 40 days, Goliath fera que prêcher. Il preach, personne ne se lèvera. Nobody stand. La Bible déclare. The Bible declare, un jour. One day, un jour. One day, Isaïe. Isaïe. Il va dire à David. He said to David. Tes frères sont sur les champs de bataille. Your battle, your brother on the battle. Ils sont en train de se battre. They are fighting. Prends tes raisins secs. Took some raisins. Va leur donner. Go and give to them. Ils vont manger. They will eat. Lorsqu'ils mangeront. When they will eat. Et tu me donneras des nouvelles d'eux. And you give news from them. La Bible dit. The Bible declares. David. David. Prends les raisins. Took those things. Prends le colis. Took the goods. Lorsqu'il se met à partir. When he went. Lorsqu'il est sur la route. When on the way. Il constate quelque chose. He noticed some things. Il voit Goliath. He saw Goliath. En train de prêcher. Preaching. Écoutez-moi bien. Listen to me. Goliath disait. Dans sa prédication, votre Dieu ne vaut rien. Your God is nothing. Et tout Israël l'écoutait. Personne ne pouvait relever le défi. Nobody can challenge. Tout le monde était soumis à Goliath. Everybody was submitted to tout Goliath. Le monde acceptait sa prédication. Everybody accepted his. Mais il y avait un homme. Il s'appelle David. Lorsqu'il a entendu le premier message, the first message, le premier chapitre the first chapter de sa prédication, il a dit ce n'est pas normal. Ce qu'il est en train de dire, moi je n'accepte pas. Qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis qui annonce ses paroles à Israël? La Bible déclare, bien avant qu'il parte combattre, il va prendre les informations. Quelle est la récompense de celui qui le vaincra? Quelle est la récompense de celui qui fera tomber Goliath? La Bible déclare. Les gens ont dit, celui qui vaincra Goliath aura Merab. Merab, c'est la fille de Saül. La Bible déclare, David s'est bien informé encore. On dit, c'est ça qui est là. La Bible dit, David ira voir Saül. Il va dire, moi je suis prêt à aller affronter cet incirconcis. Mais lorsqu'il est allé voir Saül, Saül lui dit, Saül said to him, tu es encore un enfant. You are a child. Tu ne peux pas t'affronter à lui. You cannot face him. Lui, il est un homme de guerre. He's a man of warrior. Depuis sa naissance. Since his youth. Maintenant, now, David utilise son expérience du passé from the past pour lui dire, en réalité, in reality, lorsque les ours when the et les lions and the lion attaquaient mes brebis, flock, je me défendais. I defend myself. Mais je me suis mis à réfléchir. I wonder, comment se fait-il que David classe Goliath, class Goliath dans la dispensation animalière in animals. Amen. We go. Écoutez-moi bien. Listen to me. Il n'a pas vu Goliath, he didn't see Goliath comme un homme. As a man. Il a vu dans la classe des animaux. Oh, la Bible dit, the Bible says, je vous ai donné le pouvoir de dominer les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et tout ce qui est sur la mer. David ne pouvait pas échouer. Fail. L'échec que tu connais dépend de l'emplacement de la situation. Comment tu places la situation? Nous sommes dans la chaîne alimentaire. We are in the chain. La, dans la chaîne alimentaire, the chain of, on dit manger eat, et être mangé à and son you tour. Will eat. Mais David, but David, il savait he knew que Goliath n'était pas un homme. Goliath, was Goliath not a était man. Un animal. It was an animal. Goliath, Goliath n'était pas considéré comme un homme. As a man. Mais regardez bien. Listen. Lorsque David, when David est allé rencontrer Saül, Saül va lui dire him, certaines paroles qui vont le décourager. Écoutez-moi bien. To me. Dans votre destinée, in your destiny, lorsque vous devez avoir une position, when you have to have a position, même les hommes haut élevés, even the dignity, même tes amis influents, your friend, même ta famille, even your family, veut ou va essayer they will try d'ouvrir tes yeux to open your sur eyes la réalité. So of the reality, ils vont te faire
savoir que tu n'as pas de papier. Ce n'est pas normal. Cette entreprise ne marchera pas. Écoutez-moi bien. Toutes les fois qu'on essayera d'ouvrir vos yeux sur des réalités, il faut savoir que celui-là veut combattre ta vision. Parce que la vision ne fonctionne pas avec la réalité. La vision n'a pas de problème. Parce qu'elle agit en dehors de l'environnement. Quelqu'un me dit amen. C'est amen. Avant que je commence à parler, je vais ouvrir tes yeux. I want to open your eyes before starting. Dis amen. Amen. La Bible révèle. The Bible revealed. Quand David, when David rencontre Goliath, met Goliath, bien avant de le rencontrer, before meeting him, la Bible déclare, Saül enlève ses vêtements. Saül remove all his clothes. Il enlève ses vêtements. He remove his clothes. Il lui donne pour qu'il porte. He gave to him to wear. La Bible dit, the Bible says, lorsque David a porté, when David wore, il a dit, je ne suis pas habitué. He said, I'm not used to. Écoutez-moi bien. Listen to me. N'enfile pas ce dont tu n'es pas habitué. Don't use what you are not used il y a des choses dans lesquelles tu es. There are some things. Dieu ne t'a pas habitué à cela. God didn't call la pauvreté before. Ne doit pas être ton habitude. God, la misère ne doit pas être ton habitude. La Bible dit, lorsqu'il a porté, il n'a pas pu évoluer. Pourquoi tu n'évolues pas? Parce que tu t'es accoutumé. Tu t'es habitué à ce que Dieu n'aime pas. Tu t'habitues à la pauvreté. Mais tu n'évolueras pas dans la prospérité. Quand tu t'habitues à la maladie, tu n'évolues pas dans la guérison. La Bible révèle, the Bible reveal, lorsque David, when David a porté les vêtements, wore the clothes, il y a eu un problème. There was a problem. Il y a eu la stagnation. There was a stagnation. Écoutez-moi bien. Listen to me. Il y a des choses there are some things que vous portez you wear, qui produisent dans votre vie who produce in your la stagnation. Stagnation. Celle-là, c'est ma meilleure amie. My best friend. Depuis que tu l'as portée, you know, tu n'arrives plus à évoluer. Celui-là, c'est mon mari. Depuis tu l'as porté, tu n'arrives plus à évoluer. La Bible déclare, les vêtements que David avait, David ne t'est pas habitué. La Bible dit que David ne t'est pas habitué. Mais qu'est-ce que David va faire? La Bible dit qu'il s'en débarrassa. Ce n'est pas Dieu qui a enlevé ce nom David. Mais David lui-même s'en débarrassa. David lui-même se sépara. David lui-même arrêta. Je vais te dire quelque chose. Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant que j'ai vieilli, j'ai fait. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a enlevé. C'est Paul qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Écoutez-moi bien. À un moment donné de votre croissance, il y a des choses dont tu dois t'en débarrasser. Dis s'en débarrassa. C'est take it away. Je ne suis pas habitué. I'm not used to. Il y a des choses dans lesquelles tu es, tu n'es pas habitué. There are some things you are inside, you are not used mais tu forces. To. But you force. Quand Dieu veut élever un homme, when God wants to elevate il lui donne une habitude. He gave him a use, an habit. Il n'y a pas d'élévation there is no elevation sans habitude. Without habit. L'habitude de payer sa dîme. The habit to pay l'habitude that. De faire des offrandes. The habit to make l'habitude offrandes. De prier pour l'église. The habit to pray l'habitude for the d'évangéliser. The habit to evangelize. C'est parce que Christelle a l'habitude de chanter to qu'elle a 20 sur 20. She has 20 écoutez-moi bien. Ce qui ne rentre pas dans ton habitude what doesn't go to your ne use, devient pas ta possession. It doesn't become your possession. Tu te lèves le matin. You wake up morning. Seigneur, je veux prospérer. Lord, I want to prosper. Mais est-ce que tu as l'habitude do you d'aller dans les endroits prospères? To go to the prosper écoutez-moi place.
dont tu n'es pas habitué ne te fera jamais évoluer. Lorsque tu as une habitude, on nous dit dans un adage que l'habitude est une seconde nature. Dis l'habitude. C'est habit. Mais je voulais savoir quelque chose. I want to tell you. La Bible dit, the Bible says, quand Samson, when Samson était en train de passer vers sa fin, when talking, il avait un garçon qui était devant lui. Before him, il a demandé au garçon, he asked to the boy, permets-moi allow me de toucher les deux colonnes du temple. To touch the pillar of the temple. Lorsque le garçon when the boy l'a aidé, help him. La Bible dit le garçon est parti. The boy went away. Mais depuis lors, since then, on n'a plus vu le garçon. They didn't see the boy mais en réalité, in reality, le garçon a réapparu. The boy quand vous lisez Matthieu, il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est le garçon de Samson. Je vous dis une chose. I want to tell you, un père, a father, un père a father, ne détruit pas une génération naissante. Il permet à cette génération, d'avoir une continuité. D'avoir une continuité. Voilà pourquoi Samson a dit, moi je peux mourir, mais le fils doit vivre. Écoutez-moi bien, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Ce qui te fera vivre, c'est le sacrifice de ton père. C'est le sacrifice de ton père. À qui je parle ce matin? To who am I speaking to? On n'a plus vu le jeune garçon. We didn't see the boy anymore. Et j'ai lu ma Bible. I read my Bible. J'ai dit, mais le jeune garçon là, that boy, man, il est passé où? Where is he? Mais il a réapparu. Il a Pierre. Dis, il a réapparu. Say, he come avec back. 5 pains et 2 poissons. With 5 bread and 2 fishes. Quelqu'un me dit amen. Say amen. Écoutez-moi bien. Listen to me. Lorsque when les deux espions those sont arrivés à Jéricho. Went to Jericho, ils ont été hébergés par une prostituée. With a prostitute. Mais comment se fait-il why que des oints de l'Éternel, des personnes bénies, people, des personnes qui ont l'onction, sont venus dormir chez courtisane, chez prostituée. By the prostituée. Vous savez quelque chose? Do you know something? Lorsque Dieu veut vous élever, when God want to elevate il you, vous fait rentrer dans les endroits où on vous accusera. Make you to go where people will accuse you. Normalement, on va dire il allait coucher avec les prostituées. Go with the prostitute. Mais c'est là-bas Dieu veut t'élever. And God want to elevate Dieu you. Permettra God will allow que la bouche des gens the mouth of the people s'élève contre toi. Come against you. Pourquoi il allait dormir chez les prostituées? Where did you go to sleep? Pourquoi ils sont allés là-bas? Where did they go there? Combien de fois on t'a pas jugé? How many times il a marié pas un. Elle a marié Bain. Écoutez-moi bien. Je vous dis une chose. I want to tell you, la destinée de Jéricho, the destiny of Jéricho se décidait chez une prostituée. Was by the harlot. Le sort d'une ville the situation of a city se décidait chez Toutou. Was decided by the harlot. Qui me dit amen? Say amen. Deux espions, two spies, lorsqu'ils sont arrivés, when they arrive, la Bible déclare, the Bible declare, la prostituée, the prostitute, elle va leur dire, she said to them, je sais I know que l'Éternel the Lord vous a donné ce pays. Given je suis en train de dire à quelqu'un, I'm je sais you que Dieu t'a donné I know ce pays. The Lord has given you je sais country que ta destinée s'accomplira destiny dans ce pays. Country. Je sais que Dieu t'a donné ce pays. La Bible révèle la prostituée, la prostituée a hébergé deux oints de l'Éternel. Écoutez-moi bien. Listen to me. Aujourd'hui, il y a des discussions sur ta destinée. Today we are talking about your destiny. C'est la vie mal. She lived wrong. Lui, il a rien comme une vie. Look at the way she lui, il a fait un médicament. Yes, ceux-là ne sont pas sérieux. They are not serious. Non, ceux-là, est-ce que c'est Dieu qui les a appelés? It's God who called them. Ceux-là, dans main, ils sont jeunes. Est-ce que c'est oint c'est de l'Éternel? Quelqu'un me dit amen. Écoutez-moi bien. Listen to me. Les plus grandes destinées the great destiny s'accomplissent quand le doute se jette.
quand on commence à douter de tes origines. Voilà pourquoi Jésus a eu une multitude de doutes. Les gens doutaient de lui. Est-ce que tu as le Fils de l'homme? Est-ce que tu as le Christ? Est-ce que tu as le Messie? Écoutez, lorsqu'il n'y a pas de doute, ça veut dire que Dieu ne prépare pas une destinée. Lorsqu'on commence à douter de ta vie, lorsque les gens doutent de ton avenir, lorsqu'on ne croit plus en toi, lorsque les gens te mettent à part, lorsque les gens te maudissent, lorsque les gens croient que tu ne réussiras jamais, c'est là que Dieu se lève le dernier. God stand for you. À qui je parle? Dis-moi. Écoutez-moi bien. Listen to me. Samson. Lorsque when il a croisé le lion sur le chemin de Timna, he met the lion on la the Bible way déclare the Bible declare qu'il l'a déchiré the lion comme un chevreau. En réalité, in reality, Samson était l'image de Christ. Samson was the image le of lion était l'image de Christ. The lion, the image of Christ. Christ était le lion. Christ was the lion, déchiré comme un chevreau. As a lamb. Voilà pourquoi il a été crucifié. That's why he was crucified. Il a été déchiré he was teared comme un chevreau. As a lamb. Mais ce qui est sorti du lion, what came out from c'était the lion, le miel. It was the honey. La mort de Christ a produit the la grâce. Lorsque le lion a été déchiré, le miel qui est sorti, c'est la grâce. Le lion déchiré en chevreau. Qui me dit amen? Dis amen. Qui comprend cela? Dis amen. Dis amen. Lorsque David croise Goliath, met Goliath, Goliath va commencer à faire son apologie. He began to make his il va commencer à parler. Began to speak. Il va commencer à parler pour l'influencer. Talk to influence him. Écoutez. Listen. Les destinées qui s'accomplissent. Those destinies come to pass. C'est celles-là qui se laissent pas influencer. They don't allow themselves to be influenced. Dis influence. Influence. Dis influence. C'est influence. Le jour day où tu seras influencé devant ton Goliath. Goliath. Le jour day où tu seras influencé devant un défi. Le jour day où tu seras influencé devant une réalité. Il y aura un problème. Mais David savait que ce dont il n'était pas habitué, il ne devait pas l'utiliser. Il a utilisé un bâton. Le bâton était l'image de l'autorité. Il n'y a pas de victoire sans l'autorité. Dis l'autorité. C'est autorité. Écoutez, il y a l'autorité être autoritaire. There is difference between authority and be authoritaire. Et puis il y a l'esprit supérieur. There is a superior spirit. Et l'esprit de supériorité. And the superior spirit. Faut pas confondre. Don't make a confusion. L'autorité authority est une vertu que Dieu te confère. God give you. L'autorité ne crie pas que j'ai l'autorité. Shout, lorsque tu arrives, when you come, quand tu es assis, when you sit, tu en sens l'autorité. You par ton regard, on sent l'autorité. Par ta manière de marcher, on sent l'autorité. Écoutez-moi bien. Le diable a peur d'un homme. Celui qui dégage le pouvoir de l'autorité. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. C'était une autorité. On n'évolue pas dans une destinée sans faire face à son autorité. Tu veux évoluer. Révèle ton autorité. Révèle ta position. Révèle ta carrure, refais ton caractère. Il n'y a pas d'évolution sans la démonstration d'une autorité. Dis autorité. C'est autorité. Quand David a vaincu Goliath, kill Goliath, on lui a donné Merab. They gave him Merab. On devait donner Merab à David. They're supposed to give Merab. Mais ils ont donné ça à quelqu'un d'autre. They gave Merab to somebody else. David a commencé à pleurer. David began to cry. Parce que normalement, après le défi, after the challenge, David devait avoir Merab. To get Merab. Mais Merab a été donné à quelqu'un d'autre. Merab to somebody mais else. La Bible déclare, say, pendant que Merab est en train d'être donné à quelqu'un d'autre, Michal commençait à être amoureuse de David. Je suis en train de t'annoncer quelque chose. Les something. Gens t'ont pris Merab, mais Michal arrive. Merab est parti. Mais Michal est en train de tomber amoureuse. La grâce est en train de tomber amoureuse. Au nom de Jésus. Amen.
Lorsque Merab a été arrachée, when Merab was taken away, Mical devenait amoureuse. Fall in love. Seigneur, Lord, j'aime ce travail, I love that ce Merab que tu m'as donné. Merab, mais pourquoi il m'a été arraché? Lorsque tu perds Merab, Dieu est en train de préparer Mical. Lorsque tu perds un niveau, Dieu te prépare un autre niveau. Ce dont tu as perdu n'est pas peur. Derrière chaque Merab, il y a une Mical. Ce que tu as perdu, Dieu te réserve ce que tu n'as jamais demandé, ce que tu n'as jamais pensé, ce que tu n'as jamais prié, ce que tu n'as jamais demandé, ce que tu n'as jamais aspiré. Dieu te réserve cela parce que derrière chaque Merab, il y a une Mical. Dis amen. Say amen. Dis amen. Say amen. Dis prophète, parle-moi. Say prophet speak. Dis prophète, parle-moi. Prophet speak to me. Écoutez-moi bien. Listen to me. Avant que Goliath ne tombe, before Goliath died, la pierre a tourné. The stone was rolling. Pourquoi Dieu ne t'élève pas? Why God doesn't et puis tu tournes. And you are just turning quand around. Dieu te fait tourner, when God make you to turn around, c'est pour une cible. It was for the purpose. Voilà pourquoi. That's why. La Bible dit en Jérémie, that, si tu avais visité la maison du potier, if you live tu allais savoir que le potier travaille sur un tour. Work up, or le tour du potier tourne. Mais pendant que le pot est en train de tourner, le potier met sa main dans l'argile pour créer la profondeur, pour créer la largeur, pour créer la profondeur. Pendant que tu tournes, Dieu te rend profond. Pendant que tu tournes, Dieu te prépare à une autre destinée. Voilà pourquoi la pierre de David a tourné. Tant que ça ne tourne pas, turn, il n'y a pas d'objectivité. No, tant que ça ne tourne pas, turn, on ne relève pas un défi. No, tu tournes dans le mariage, tu tournes pour le boulot, tu tournes pour tes papiers. Lorsque Dieu te relâchera, tu iras directement sur Goliath. Tu iras sur Goliath. Écoutez-moi bien. Listen to me. La pierre, the stone de David, of David était dans une gibecière. It was in the stealing shot. Dis gibecière. Vous savez la gibecière faite à base de quoi? What they do with it? À base de quoi? De peau. With the body of animal. Of animal. Écoutez, moi je préfère tourner avec Christ. Me, I would like to turn with Christ. Que de tourner avec autre chose. We turn with others. La peau d'animal, the body of animal, représente l'image de Christ. Represents the quand tu es en Jésus, when you are Jesus, pour qu'il relève le défi, for him to, il va te faire tourner. He will make you to turn. Tu ne comprendras pas parfois. You will not understand. Mais pourquoi je tourne? Where am I turning? Oh, voici Canaan. This is Canaan. Tu me fais tourner. You are turning. Oh, voici ma destinée. Tu me fais tourner. You make me to turn. La Bible dit, the Bible says, il rendra stérile Anne qui l'aimait. Dieu aime quelqu'un. When God loves au somebody, lieu de lui donner un enfant, child, il la rend stérile. He make her barren. Pourquoi il le fait? Why make il her le barren? Fait pour que les hommes parlent. So that people will tant talk, que les hommes ne parlent if pas, talk, Dieu ne parlera pas. God will not talk. Quand les hommes pensent que c'est fini, c'est à ce moment précis que God, Dieu commence à parler. Est-ce que c'est va enfanter? Did she go to give birth? C'est là son affaire là, c'est bizarre. Hein? Her business is so strange. Ah ma fille, gloire à Dieu. May the Lord bless you. Dis amen. Say amen. Non, c'est là même là. Est-ce qu'un jour she, quelque chose peut sortir d'elle? Can something come out? Ils ont regardé Nazareth. They look at Nazareth. On dit est-ce que de Nazareth? Come from Nazareth. 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 Quelque chose de bon. Something peut sortir de là. Come out from there. Les gens pensent que ta destinée s'arrêtera là. Ils t'ont référé à Nazareth. Ils se disent, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de celle-là? Peut sortir de celui-là? Mais en réalité, Dieu est en train de te préparer une destinée. Lève-toi et possède cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Dis magie baissière. Qui sent qui tourne beaucoup? Who is turning a lot? Tu tournes, hein? Amen. Turn, eh? You turn so much. Quand on tourne, il y a deux choses, il y a une chose qui nous fatigue. When you are turning something, c'est le vertige. You feel quand dizzy. Tu tournes trop, tu as le vertige. When turn too much, you feel dizzy. Oh, c'est le processus normal. Quand Dieu process, veut élever un homme, when God want to elevate somebody, il le fait tourner. He make you to turn. Dieu te fera tourner. He make you to turn. Écoutez-moi bien. Listen to me. Un jour, one day, Moïse Moses a voulu convaincre ses frères qu'il était brother, le libérateur. Lorsqu'il a essayé de le faire, when he tried, dans sa force, in his strength, avec ses biceps, with his muscle, il a tué quelqu'un. He killed somebody. Souvent, il y a des choses qu'on veut faire avec notre force. C'est à ce moment qu'il y a des malheurs. Quand tu essaies de montrer que telle chose, tu peux le faire avec ta force. Non, ils n'ont qu'à croire en moi. Non, elle doit croire en moi. Tu fais tout par la force. Ça ne marchera pas. La Bible dit, quand Moïse a eu le bâton, Moïse a commencé à bégayer. Et c'est le bâton qui parle à sa place. Quand tu as le bâton, staff, tu ne parles plus. You don't talk. C'est le bâton qui parle à ta the place. Quand on dit la main doit s'ouvrir, tu ne dis pas mais ouvre-toi. Tu lèves le bâton. Lorsque tu dois ouvrir la main, tu lèves le bâton. Changer l'eau en sang, tu prends le bâton. Changer la poussière en poux, tu chantes. Écoutez-moi bien. Quand tu n'as plus de parole, c'est le bâton qui parle à ta place. Tu as essayé de faire des choses avec l'exercice de ta force. With your own strength. Ça n'a jamais marché. It never worked. Tu dois atteindre la dimension où tu deviens muet. You have to be a, tu down. Commences à bégayer. You began to become a stammer. Tu ne peux pas t'exprimer. You cannot express yourself. Avant de parler, before avant talking, de dire, before talking. Avant de dire Aaron, Moïse va dire. Before saying Aaron. 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 C'était la vie de Moïse. Mais écoutez-moi bien. Listen to me. Dans le chemin d'une destinée, in the destiny, Dieu ne peut pas élever un homme God cannot elevate somebody sans qu'il ne casse ses faiblesses, without breaking your sans qu'il ne casse sa force. Without breaking your ce sur quoi tu t'appuies, without, Dieu doit le briser. God to break ce you. Sur quoi tu comptes, where you Dieu doit l'arracher. God il va away. Te donner la place. He will put un bégayement. Tu ne pourras pas t'exprimer correctement. Ta destinée yourself. Ne sera pas parfaite. Your lorsque tu regardes la situation, tu te posera la question sur toi-même ton avenir. Est-ce que c'est possible? Mais c'est à ce moment précis que le bâton parle à ta place. And the staff speak for you. Voilà pourquoi David n'a pas réfléchi. That's why David didn't think. Il a pensé à un bâton. He think about the staff. Dis bâton. Say staff. Dis bâton. Say staff. Qui pense à un bâton ce matin? You have a staff today. Dis je pense à un bâton. I think about the staff today. Dis je pense à un bâton. I think about the staff today. Non, je n'entends pas. Dis je pense I à un bâton. You. I think about the staff today. Alléluia. Amen. Mais lisez, la Bible dit. Read. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa. La Bible dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David. Et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Mais le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Dis amen. Say amen. Quelqu'un me dit amen. Say amen. Voilà quelqu'un qui a déjà vu sa destinée. See somebody who quand je prêchais, when I was preaching, je vous ai dit, I told you, quand David parlait, when David were talking, il parlait à Saül. We're talking about il lui a dit, j'ai vaincu des ours say, et des lions. And lions. Mais ta Goliath lui-même, Goliath himself, il s'est mis dans une classe inférieure. He put himself il ne s'est pas mis dans la classe d'un ours, he didn't know that ni dans la classe d'un lion. And then, il s'est mis dans la classe d'un chien. And he put himself in écoutez-moi dog. Bien. I'm telling you. Tout ce que tu vois devant toi what you see before n'est you. Rien d'autre qu'un chien. Nothing like le dog. Défi que tu dois relever n'est rien. Peu importe ce que tu rencontres, ce n'est rien. Les gens pensent que c'est impossible. Mais en réalité, la situation dans laquelle tu es est méprisable. Et toi, être méprisé. You can't despise it.
Goliath n'a pas vu la pierre. Goliath didn't saw the stone. Mais il a vu le bois. He saw, just saw the wood. Mais lisez bien la Bible. Read it very well. La Bible dit que Goliath, David avait cinq pierres. We have a stone. Mais comment se fait-il? How? Quand Goliath au lieu de voir les pierres, as he don't see the stone, il voit le bâton. Only the staff he saw. Dit, il voit le bâton. He saw the staff. Écoutez-moi bien. Listen to me. Il y a une chose qui doit être remarquable dans ta vie. There's something you have to be remarkable in la your life. La présence du bâton. The presence of the staff. Le diable ne voit pas tes parlants langues. The devil doesn't see your. Ce qui déstabilise le diable. What destabilizes the devil? C'est la présence d'un bâton. The presence of the staff. Or Christ est mort sur un bâton. And Christ died on. Christ the est mort à la croix. Christ died on the cross. Et cette croix doit être pour toi la référence. And that cross. Écoutez-moi bien, je vous dis une chose. I want to tell you. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. You cannot accomplish. Tant que tu n'aimes marcher avec un bâton. Without the staff. Tant que tu as manifesté la puissance de la croix. Without the power. C'est celle-là qui donne la victoire. And give sur tout genre de défi. He gave victory over every challenge. Dis mon bâton. Say staff. Dis le bâton. The 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 staff. Say the staff. Alléluia. Amen. Mais David ne t'est pas habitué. David was not used to. Dis David ne t'est pas habitué. Say David was not used to. Écoutez-moi bien. Listen to me. David ne t'est pas habitué. David was not used to. Lorsqu'il a su. When he knew. Lorsqu'il a ressenti. When he felt. Qu'il n'était pas habitué. They were not used to. C'est à ce moment précis. Then. Qui s'en débarrassait. He took away those stuff. Tu insistes. You insisted. Tu cherches à voir le miracle. You try to. Tu cherches à expérimenter quelque chose. You try to experience something. Mais le problème. The problem. Tu n'es pas habitué. You are not used to. J'ai commencé à changer mes habitudes. I have changed my habit. Quelqu'un me dit amen. Say amen. La destinée, the destiny, ce n'est pas une question de parole de Dieu. It was not, Dieu a déjà parlé. God has speaking mais already. Ce qui produit le résultat, what produce the result, c'est tes habitudes. Is your habit. Ce sont tes habitudes. Your habit. Il y a des gens qui sont habitués. Some people, they are used to à ne jamais faire d'offrande. Not to do offering. Et ça ne peut pas marcher. It cannot work. Écoutez, pour avoir l'onction, to have the anointing, il faut jeûner. You have to fast. Il faut prier. You have to pray. Pour avoir l'argent, to have money, il faut s'aimer. You have to sow. Si je vois quelqu'un en train de prier à la maison, Seigneur, donne-moi l'argent. L'argent ne viendra pas. Money will not come. Parce que ce qui vient du ciel, what come from heaven, on ne sait pas c'est quoi. They don't know what. Voilà pourquoi Israël a vu la manne. Il dit qu'est-ce que c'est. They saw the manna, they ils ne sont pas habitués. They are not used to. La manne veut dire qu'est-ce que c'est. Manna mean, what is it? Le matin, il se réveille. Morning, they wake up. Israël dit Haroun, Moshe, manna. Manna. Voici la manne. This is the man. Ils ne sont pas habitués à ce qui vient du ciel. They are not used to what comes. Je vous dis une chose. I'm telling you something. Lorsque Dieu veut élever un homme, when God wants to elevate la man, chose qu'il crée dans sa vie, what he creates in your life, il change ses habitudes. He changes your habits. Si tu allais manger McDo, if we are eating, il te déplace. He will move you. Il t'amène quelque part d'autre. He will send you somewhere else. Un jour, je disais à mon père, one day I said to my father, à mon défunt père, my late father, il dit, papa, daddy, je vais manger avec les grands. Me, I want to eat with the great people. Il dit, tu sais manger fourchette. Do you know how to eat with fork? Alléluia. Et chaque matin, je venais avec mon assiette. And morning, quand on devait manger ensemble, when we have to eat, je mets mon assiette là. I put my plate je prends la fourchette. I took the fork. Je prends le couteau. I take the knife. Il dit, non, c'est pas comme ça. It's not like change. It's not like that. Change it. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, je suis allé quelque part avec un ami. When day I went with a friend. On arrive dans la maison. We are there. On nous sert à table. They serve us. Ils ont servi un truc là. Amen. They serve something. Et ils ont mis, je ne sais pas comment, vous voyez les mouchoirs, la main dans le verre. They put those handkerchiefs, they put it on the glasses. Mais c'était un torchon façon some design. Way. So, a design one. Il dit, tu vois ça? He said, do you see it? Ça se sert, faut mettre le jus dedans directement. Put your juice inside. Que c'est la couleur là qui a changé. The color will change it. Ah, grand prophète. That's a great prophet. Il dit ça là, moi je ne connais pas. This one I don't know it. Quelqu'un me dit amen. Say amen. Alléluia. Amen. Il mange, il boit les eaux à table. He drink puis il met ça par terre. And he
La dame le regarde. J'ai dit, mon frère, tu n'es pas habitué. Écoutez-moi bien. Quand tu n'es pas habitué à quelque chose, Dieu ne t'amènera jamais parmi les grands. Quand tu n'es pas habitué à quelque chose, peu importe ton parler en langue, rien ne changera dans ta vie. Ce que Dieu cherche à changer, ce sont tes habitudes. Dieu cherche à changer tes habitudes. Voilà quelqu'un chaque matin, quand il se réveille, il prend le miroir et puis il dit, je suis vilain. Je prends le miroir et puis je me regarde. Il dit, oh Dieu, c'est moi ici comme ça. Quelqu'un me dit amen. Oh yeah! And yesterday, oh yeah! J'avais honte du miroir. Écoutez, il y a des situations qui t'empêchent d'affronter ton apparence. To face your appearance. Écoutez, listen. Le jour day, où j'ai commencé à comprendre que la grâce, and the grace, elle n'agit pas. Doesn't move. Lorsqu'on ne change pas de mentalité, mentality, j'ai commencé à changer ma mentalité. Parce qu'à Abidjan, quand j'ai fini de prêcher, Zegen, I go to eat in the street. Vous connaissez Zegen? Do you know Gaba? Atieke on the street. Et notre gars s'appelait Aruna. Et mais Aruna, faut mettre un peu de... On met beaucoup d'huile. Cul magie aujourd'hui, là. Faut mettre vraiment les bons trucs. Put oil, put oil, put all those things. Voilà, je veux un bon ton chaud. I want a fish. Donc toujours. Every day. Même quand je vais prêcher, il me voit et dit il y a poisson. When I'm going to preach, he said there is nouveau a fish. Poisson. New fish for you. Et what c'était was? Ça. Anyways, like c'était that. En cela qu'il me référait. And you have a reference. Mais un jour, one day, je suis allé prêcher. I went to preach. On m'a remis une offrande. They gave me an offering. J'ai dit aujourd'hui, je ne mange pas ça. I said to that je dois changer mes habitudes. Je dois changer mes habitudes. Je ne mange plus ça. I don't eat. Je suis allé à Sokosé. I went to Sokosé. J'ai commandé un plat. I ordered a plate. Lorsqu'on m'a dit le prix, well, they take me a, j'ai commencé à pleurer. I began to cry. Mais tu essuies tes larmes. I wept my tears. Parce que tu sais le prix que tu es en train de payer. The price I'm paying. J'ai non, quand ils ont servi le plat, well, they serve. Ils sont là-bas, ils sont allés là-bas avec 10 000. I went with 10,000 CFA, of course. Le plat fait 4,500. It was 4,000 CFA. J'ai dit parti avec un ami. I deux plats. Friend, two. Ça fait 9 000. 9,000. Il restait 1 000 francs. Il remet 1,000. 1 000 francs, tu as payé taxi. We have to take a tu arrives à la maison. When you reach home. Tu as mangé à midi, tu ne manges pas le soir. Mais je suis allé là-bas. I went there. Et Sokosé and there, était devenu mon endroit de référence. And where my place quand j'appelle prophète Yvon, when I call prophet tu es où? Where are you? Il dit, viens me trouver à mon bureau. I said, go to my c'était office. Là que je m'asseyais. There I was sitting. Écoutez, listen. Quand j'habitais quelque part là, when I was living somewhere, je quittais ma vilaine maison I my pour aller marcher dans les quartiers riches. I je regardais les maisons. I look at je vois des voitures, je dis, je possède. I say, I je vois telle chose, je possède. I say, I possède. Je regardais les maisons. Hey, c'est joli, hein? Mais à force de m'habituer, écoutez-moi bien. Quand tu t'habitues, when you are used quand tu as un point B, when you are Dieu dit, bon, comme tu connais le point B, allons au point C. Au point C, allons au point D. L'habitude propulse la destinée. Give the destiny. Qui me dit amen? Say amen. L'habitude. They use. Prophète Stéphane, quand il est arrivé, when Prophète Stéphane came, toujours m'envoie au chinois. He gonna send me to restaurant. Toujours chinois. Every time, restaurant. Toujours. Toujours chinois. Poulet laqué, poulet laqué, poulet laqué. Chinese restaurant, Chinese restaurant. Dis amen. C'est amen. Non, il a commencé à l'appeler Kim Jong-un. And I gave him a Chinese name. Chinese. Toujours chinois. Every day Chinese. Un jour il m'a appelé. One day he called me. J'ai dit, je suis à Fou, au Phuket. L'emplacement a changé. Ton habitude te créera la possession. Quand tu es habitué aux grandes choses, Dieu te donnera les grandes choses. Quand tu es habitué à la grandeur, tu auras la grandeur. Tu es habitué à la prospérité, tu auras la prospérité.
L'habitude est transformée par l'environnement. Celui avec qui tu marches, c'est celui-là qui change ton habitude. Lève la main droite avec moi. Dis au nom de Jésus. Seigneur, Lord, je ne suis pas habitué à la pauvreté. I'm not used to poverty. Je ne suis pas habitué à la misère. I'm not used to misery. Je ne suis pas habitué à la maladie. I'm not used to disease. À partir d'aujourd'hui, from today going, change mes habitudes. Change my habits. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de gloire. You are the God of glory. Je vais à partir de cet instant. I want from this now going, libérer l'onction. Libérer l'onction. Bring the anointing. Qui changera. We can change. Nos mentalités. Our mentality. Qui changera. We can change. Nos habitudes. Our habits. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Lord, we bless you. Parce qu'à partir de ce soir, from now on going, je rentre dans ma destinée. I enter to my destiny. J'expérimente mon miracle. I experience my miracle. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. We clap for the Lord.